Après, tu penses quoi de Ramzan Djembiev? Ramzan Djembiev, j'aime bien le fait qu'il ait gardé son côté un peu unique et innovant dans sa façon de combattre, son style un peu atypique, mélangé à des choses qui, voilà, dans le combat, tout ce qui fonctionne, faut le prendre. Et bah, il sait combattre de manière assez conventionnelle, classique, et aussi il a toujours ce style un peu imprévisible et explosif. Un mélange de lutte, de Superman Punch, de tout ça, coup de pied particulier. Et c'est très bien. Franchement, cette mobilité qu'il a, cette créativité qu'il a, c'est quelque chose que je trouve très beau dans le MMA parce que le MMA, pour moi, c'est pas juste un mélange de sport de combat, c'est du combat tout court et sportivement. Du coup, il y a des règles, mais tout ce qui respecte les règles, ben, tout ce qui fonctionne, on le met. Et faut pas juste se dire non mais ça c'est en striking ben c'est que des techniques de boxe thaï, pied-point, etc. Non, lui il prend vraiment tout. Ça peut être des trucs qui s'en ressemblent même à du kung fu, de la capoeira, mais si ça passe, bah ça passe et tant mieux. Et c'est ça aussi, j'aime beaucoup, je mets ça un peu dans mon style. Souvent on peut dire par exemple que la personne n'a pas un bon striking, mais c'est parce que juste c'est d'autres techniques, c'est pas juste l'école classique pied-point kickboxing. Et c'est bien. Franchement, j'ai hâte de voir comment il avance en prenant des combattants de plus en plus forts. Et bah, il semble être quelqu'un de bien, discipliné. C'est cool. D'accord.